utilise deux machines. D'accord? Ça veut dire qu'on a une machine M1. D'accord? Une machine M1. D'accord? M1. Et une machine M2. M2. Voilà. Alors, on considère les événements. Les machines, ils peuvent tomber en panne pendant une période de 2 ans, d'une année. C'est-à-dire pendant une année, les machines, ils peuvent tomber en panne. Alors, A1, c'est l'événement, la première machine fonctionne. Et A2, c'est l'événement, la deuxième machine fonctionne. C'est-à-dire qu'on a deux événements. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, c'est quoi? L'univers pour cette, c'est pas une expérience, mais c'est une réalité, c'est une observation, d'accord? C'est une expérience aussi parce qu'on fait travailler les machines. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers, si je peux me permettre de le dire ici, ça veut dire oméga. Ça veut dire soit si je pense au de toutes les solutions, le de toutes les solutions, mais l'univers, ça doit être ça. Alors, il est déjà là. Alors, l'univers pour ça, soit que pendant l'année, les deux machines fonctionnent, F1, F2, soit pour soit un autre événement élémentaire, la machine pendant l'année. La machine 1 fonctionne et la machine 2 ne fonctionne pas une fois, c'est-à-dire ne fonctionne pas. Alors, ça veut dire ne fonctionne pas, ça veut dire qu'elle tombe en panne pendant une année. C'est-à-dire le nombre de pannes, on s'en fout, mais il tombe en panne. Le troisième événement élémentaire, ça veut dire que la machine tombe en panne pendant cette année et la machine 2 fonctionne. Et le quatrième événement élémentaire, ça veut dire que les deux machines tombent en panne pendant cette année. C'est-à-dire, ils tombent en panne. Et là, on ne rentre pas dans les détails. Alors, A1, c'est quoi? Ça veut dire que la première machine fonctionne. Ça veut dire, ça peut être soit cet événement, d'accord? Alors, pour A2, c'est exactement ces événements élémentaires. On est là dans. Alors maintenant, c'est quoi BK? BK, c'est quoi? Tu voulais que BK... Exactement, K machine fonctionne. Ça veut dire K, ça peut être 0, ça veut dire 0, 1 ou bien 2. Ça veut dire B0, ça veut dire aucune machine fonctionne. 0 machine fonctionne. 1, B1, une seule machine fonctionne. Et 2, c'est 2, B2, c'est 2 machines fonctionnent. Alors moi, je vous donne directement. Alors, pour une machine... Pour une machine fonctionne, 0 machine fonctionne, il y a seulement l'événement élémentaire NF1, c'est-à-dire machine 1 ne fonctionne pas, machine 2 ne fonctionne. Alors B1, ça veut dire on a une seule machine qui fonctionne, ça veut dire soit F1, soit F2. Et là, on a les deux événements élémentaires. Et B2, ça veut dire que les deux machines fonctionnent, ça veut dire on a F1 et F2. Alors, C2, c'est quoi? C'est au moins une machine fonctionne. Ça veut dire, ça peut dire une machine fonctionne ou bien deux machines fonctionnent. C'est-à-dire, ici, au moins. Ici, il y a le terme au moins une. D'accord? Au moins, ça veut dire, ça peut être soit un, soit deux machines qui fonctionnent. Donc là, vraiment, on pourra dire que ça... Si vous voulez le dire, c'est B1,
union B, B2. B2. D'accord? Alors, D, c'est quoi? Alors, moins de 2 machines fonctionnent. C'est-à-dire moins. Moins de 2 machines. Ça veut dire moins de 2 machines, moins de 2. Alors, ici, moins de 2, ça peut être soit 1, soit 0. Ça veut dire, soit ici, comme vous pouvez le voir là, les deux machines, 1, une machine fonctionne, aucune machine ne fonctionne pas. Là, je peux dire ici, ça, c'est B0, B0, union B1. B1. D'accord? Alors, au plus une machine, alors E maintenant. Alors, au plus une machine fonctionne. Au plus une machine fonctionne, ça veut dire LH, au plus, ça veut dire ça peut être soit 1, soit 0. Ça veut dire que on est vraiment, je peux dire qu'au plus une machine fonctionne, ça veut dire c'est exactement E est égal à D, je pense. D. Alors, plus de 2 d'une machine fonctionne, plus d'une pour F, pour l'événement F, plus d'une, ça veut dire plus d'une, ça veut dire c'est 2. On n'a pas plus, donc on aura F, c'est exactement F1, F2. D'accord? Donc ça, c'est un exercice qui nous permet un peu de comprendre cette notion exactement, au moins, moins, plus, au plus d'une, au moins, au plus. D'accord? Alors maintenant, ça c'est les relations B0, les événements. C'est quoi la relation entre les événements qu'on vient de créer avec A1 et A2? Alors, B0, c'est quoi? Ça veut dire que les deux machines, ça veut dire B0, aucune machine fonctionne. Aucune machine fonctionne. Ça, c'est B0. Alors, ici, on va regarder ici. Alors, aucune machine fonctionne. Ça veut dire quoi, aucune machine? Ça veut dire que ni l'une, ni l'autre, ni A, ni M1 fonctionne, ni M2 fonctionne. Ça veut dire que l'événement A1 union A2. Union A2. Ça veut dire, c'est que A1 union A2, c'est quoi sa signification? C'est que la machine M1 fonctionne ou bien la machine M2 fonctionne. M1 ou bien M2 fonctionne. Mais la négation de ça, ni l'une fonctionne, ni M1 fonctionne, ni M2 fonctionne. Donc ici, je peux écrire que B0, c'est le complémentaire de A1 union A2. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est oméga, c'est l'univers moins A1 union A2. D'ailleurs, vous pouvez la voir facilement ici, A1 union A2. Alors, A1 union A2, c'est exactement tout ça. Mais là, attendez. Oui, mais d'ici, d'accord. Ici. Alors, je vais faire comme ça, on va être clair, supprimer toutes. Alors, A1 union A2, c'est tout ça. D'accord. Alors, le complémentaire de ça me donne. Alors, B1, c'est quoi? B1, une machine fonctionne. Ça veut dire, A1 union A2, ça veut dire que l'une ou l'autre fonctionne, mais j'enlève quoi? J'enlève A1 inter A2. Pourquoi? Parce que A1 inter A2, c'est elle qui dit la machine M1 fonctionne et la machine M2 fonctionne. Ça veut dire quoi? J'exclus le cas 2. Ça veut dire ici, quand je dis A1 union A2, ça peut être au moins une machine fonctionne. C'est-à-dire au moins une machine fonctionne. Ça veut dire quoi? Quand au moins une machine fonctionne, ça veut dire il y a le cas
de deux machines fonctionnent. Alors, c'est pour cela que j'enlève pour obtenir exactement B1. Et ça se voit ici. Ça veut dire ici, le B1, le B1 ici, c'est exactement cette réunion et l'intersection. Et l'intersection, c'est à F1, F2. Donc là, ici, c'est exactement B2 qui est l'intersection. Alors, B2, c'est l'intersection parce que c'est, comme vous pouvez le voir ici, B2, c'est l'intersection de A1 et A2. C'est-à-dire que la machine A, M1 fonctionne et la machine M2 fonctionne. Alors, c'est au plus, au moins une machine fonctionne, ça veut dire c'est soit M1 ou M2, d'accord? Mais le ou, il n'est pas exclusif. Ça veut dire que la machine M1 ou M2 fonctionne, ça veut dire qu'ils peuvent marcher aussi en même temps. Ils peuvent être, ils fonctionnent. Alors, prana D. Alors, D c'est quoi? D moins de deux machines, fonctionnent. Alors, D moins de deux machines qu'on fonctionne, ça veut dire c'est deux machines fonctionnent, c'est A1 inter A2. Deux machines fonctionnent, ça veut dire c'est le B2. C'est A1 inter A2. Donc, moins de deux machines, ça veut dire c'est le complémentaire de deux machines fonctionnent. Ça veut dire qu'il y a 0 et 1. Donc, c'est exactement ça. C'est ce que je donne ici. Alors, au plus, une machine fonctionne. C'est toujours la même réponse. Parce qu'on a dit que D est égal à E, en fait. E est égal à D. Alors là, ils sont les mêmes. D'accord? Et plus d'une machine fonctionne, ça veut dire, on est dans le cas de, ça veut dire que c'est exactement C. C'est-à-dire F est égal C ici. Donc, moi, je vous invite à regarder à tête reposée cet exercice-là. Pour un peu se familiariser avec avec le jargon au plus, au moins, je sais très bien que ça vous pose beaucoup de problèmes parce que la plupart d'entre vous étaient arabisants, mais n'empêche quand même de faire le test et essayer de travailler ces termes-là. D'accord? Alors, je passe à un autre exercice. Alors, ici, je lance 2D simultanément. Ça veut dire je lance 2D d'un seul coup. De couleurs différentes, ça veut dire, je suis désolé ici j'ai mes deux couleurs mêmes, mais de couleurs différentes, machimouchki. Alors nous notons par E, l'événement, la somme des deux résultats est un nombre impair. Il a 3, 2. Un dé il m'a donné 3 et l'autre il m'a donné par exemple ici 3, 2. C'est-à-dire la somme c'est 5, un nombre impair. F, c'est l'événement. F ici, c'est l'événement où au moins l'un des deux résultats est égal à 1. 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3 ou bien 3, etc. Alors, le troisième événement, la somme des deux résultats est égale à 5. Dire 2, 3, 4, 1, 4, 1, etc. Alors, décrivez l'univers oméga associé à cette expérience aléatoire. Alors là, ce que je veux préciser, c'est une chose très importante, que 2D cubiques de couleurs diverses. Alors, quand on dit de couleurs différentes, ça veut dire que là, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a un des rouges et un des blancs. Vous avez compris? Ça veut dire que je sais très bien que le dé rouge, il m'a donné 3 et l'autre, il m'a donné 4, par exemple. Donc là, il faut que l'univers soit vraiment ordonné. Ça veut dire que ici, par exemple, si
l'univers, du moment que le dé ils sont colorés, ça veut dire que cet événement-là, d'accord? Ça veut dire, je suppose que ici, les résultats des événements élémentaires, ça veut dire que ici, je mets le résultat de dés noirs, par exemple. Ici, je mets le résultat du dé rouge, par exemple. Ça veut dire, en d'autres termes, cet événement-là que je coche ici, cet événement-là, il est tout à fait différent de cet événement 4-1 de cet événement-là. Sont différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le premier, il me dit que le premier, le dé noir, il m'a donné 1 et le dé rouge, il m'a donné 4. Ici, c'est l'inverse. C'est le dé noir qui m'a donné 4 et le dé le dé rouge m'a donné 1. Vous avez compris? Donc, mon univers, c'est un univers, le cardinal, je pense, c'est 6 fois 6, c'est 36, je pense, événements élémentaires. D'accord? Alors, ici, je donne directement les résultats. Alors, le premier événement, la somme des deux résultats est un nombre impair. Ça veut dire, je vais supprimer ça. Hein, supprimer ces... Voilà. Alors, pour eux, la somme des deux résultats est un nombre impair. Est un nombre impair. Donc là, vous pouvez le voir là, je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Et ainsi de suite. 1, 6. D'accord? 2, 1. Et ainsi de suite. Alors, F, c'est au moins l'un des deux résultats est égal à 1. Au moins, ça veut dire que là, comme vous pouvez le voir là, il y a le 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, le 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, c'est correct. Et bien sûr, l'ensemble G, l'événement G, c'est la somme des deux résultats est égal à 5, il n'y a que 1, 4, 2, 3, 3, 2 et 4, 1. D'accord? Alors, c'est mes deux événements. Alors, c'est quoi E inter F? Ça veut dire que E inter F, c'est que la somme des deux résultats est un nombre impair et la somme est au moins l'un égal à 1. La norme. Donc ici, F, par exemple, est-ce que la somme est impaire? Donc là, c'est éliminé. D'accord? Somme impaire. Oui, c'est correct. Donc ça a éliminé. D'accord? 1, somme impaire. Somme, c'est à éliminer. D'accord? 1, 7, oui, ça marche. F, celui-là, à prendre. Oui, celui-là, ça a éliminé. D'accord? 4, 1, 5, ça a éliminé. Donc il me reste 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 1. 4, 1 et 6. Donc c'est exactement le E inter F. Alors E inter F bar. Ou F inter, E inter F bar. Alors E inter F bar, c'est quoi? C'est la somme des deux résultats doit être impair, mais au moins, le contraire inter la négation dit au moins. Au moins l'un des deux l'un des deux résultats est égal à 1. Au moins. Ça veut Mais dire au aucun des deux résultats ne contient un. ne contient pas 1. Ça veut dire au moins 1. Ça veut dire le contraire dit là, ça veut dire il ne contient pas 1. Donc ici ne contient pas 1, donc je vais chercher parmi eux ceux qui ne contiennent pas 1. Donc je vais supprimer ça, je supprime ça, je supprime ça, je supprime Gahada, voilà, je supprime ça aussi, d'accord, je supprime ça, je supprime ça,
et ainsi de suite. Donc, il me reste 2, 3, 2, 5, 3, 2, et ainsi de suite. D'accord? Alors, c'est quoi F inter G? Alors, je passe à cet événement-là. F inter G. Ça veut dire que la somme des deux résultats est un nombre impair. Oui, marhaba. Non. F, c'est au moins l'un des deux résultats est égal à 1. D'accord? Voilà. Au moins l'un des deux résultats est égal à 1. Marhaba. Donc ici, je suis là. D'accord? Inter G, ça veut dire G, c'est quoi? La somme des deux résultats est égale à 5. Donc là, je vais directement. Est-ce que ça est égal à 5? Non. Donc je supprime ça. Je supprime ça. Je garde ça parce que ça est égal à 5. Je supprime ça. Je supprime ça. D'accord? Celui-là, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Donc ça, ça ne marche pas. La somme est égale à 6. Ici, la somme est égale à 7. Donc ça me donne exactement EF inter G. Alors, quand je dis F inter E inter F inter G, ça veut dire ici, j'ai F inter G qui est fait à deux éléments. Il y a deux éléments. Alors, est-ce que ces deux éléments-là, est-ce que la somme, parce qu'il me reste cette intersection-là, E inter F inter G, comme ça. Je vais raisonner sur cette manière. Est-ce que la somme est impair? Oui, la somme est impair. Donc, la somme est impair. Donc, je peux dire ici que cet ensemble-là, cet univers, cet événement, il est inclus dans E. D'accord? Donc, si je fais l'intersection, je vais obtenir exactement F inter G. Alors, l'objectif de cet exercice-là, c'est de vous aider à vous familiariser avec la notion des intersections et des réunions d'événements. D'accord? S'il vous plaît, j'ai une question. Eh oui. Comment vous avez pu savoir l'ennemi important? Comment? Comment vous avez pu savoir que dans l'univers, que l'ordre est important? Parce que 1, 2, c'est 2, 1. Oui, parce que, comme je l'ai expliqué, je l'ai expliqué ça, mais je le refais quand même. Ici, parce qu'il nous a dit des cubiques de couleurs différentes. D'accord? Ça veut dire quand... Par exemple, je suppose que Andy Wahd Hada il est rouge. D'accord? Et celui-là, il est noir. Par exemple, ce D, il est noir. D'accord? Quand le D rouge, par exemple, me donne, par exemple, 1, 4, par exemple. Quand le D rouge, il me donne 1 et le D noir, il me donne 4, c'est tout à fait différent. Clax. Ça veut dire le dé rouge, il me donne 4 et le dé noir, il me donne 1. Ça veut dire ils sont tout à fait différents. Ça veut dire des événements qui sont différents. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que l'Esh, on a fait ça parce que les deux couleurs sont différentes. Il y aura quelqu'un qu'on pourra utiliser cette notion-là quand on a une expérience avec deux lancers. Ça veut dire, supposer que Gitlikom a intégré un seul dé, mais je le lance deux fois. Successive. Je lance et je lance. Une deuxième fois. On va obtenir le même résultat. D'accord? On sent l'ordre. Quand on dit je lance le dé deux fois, l'expérience, on sent l'ordre d'après les exemples que nous avons traités au cours. Mais dans ce cas-là, on ne sent pas le résultat. Ils n'en sont pas l'ordre, mais il y a aussi une différenciation entre... Vous pouvez intermitter, parce que ici, je dis, par exemple, peut-être moi, c'était une erreur de ma part, je vais dire, j'aurais dû écrire que l'événement, par exemple, 3, 5, par exemple, ça veut dire que le dé rouge,
il me donne la valeur 3. Et le dé noir, il me donne le numéro 5. D'accord? J'aurais dû préciser cette notion-là, comme ça vous pouvez lire votre univers facilement. C'est bon? Je passe? Mademoiselle, j'ai bien compris maintenant? Alors maintenant, je passe à un autre exercice. Oui. Monsieur, oui, mademoiselle. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre toutes les possibilités comme vous avez fait ou juste on calcule le cardinal en utilisant l'arrangement? Oui, c'est possible. C'est possible. Anna, j'ai essayé de faire ça en détail juste pour faire comprendre un peu comment vous avez compris. C'est-à-dire que si quelqu'un a plus d'imagination, il pourra vraiment imaginer les choses à sa manière. D'accord ? Marhababé, sans problème, pas de problème. C'est bon ? Alors j'avance. Alors je passe à l'exercice 3. Alors, on a trois tireurs. D'accord ? Trois tireurs qui lancent un cactus. Ou bien qui tirent sur un cactus, d'accord, avec leur fusil, et ils veulent savoir, donc il y a le tireur 1, d'accord, ici, il y a le tireur 1, d'accord, il y a le tireur 2. Il y a le tireur 2. D'accord. Il y a le tireur 2. D'accord. Il y a le tireur 3. D'accord. Très bien. Alors, les deux, ils tirent sur ce cactus avec leur fusil. Alors, est-ce normal les possibilités, les kininens, là? Les possibilités, c'est ça. Ça veut dire, les possibilités, c'est que le tireur 1 ne marche pas. Ça veut dire, ma question, n'atteint pas le cactus. Le tireur 2 n'atteint pas le cactus, et le tireur 3 n'atteint pas le cactus. Donc là, c'est un événement, d'accord? Alors le deuxième événement élémentaire, c'est que le tireur numéro 1, il n'atteint pas le cactus, le tireur numéro 2 n'atteint pas le cactus, mais le tireur 3, il arrive à l'atteindre. C'est bien. Alors, le troisième événement élémentaire, c'est que le tireur 3-1 n'atteint pas le cactus, etc., etc. Donc là, vous avez une éventualité, combien d'événements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 événements. D'accord. Alors maintenant, je vais revenir à la question. Si vous voulez que le tireur 1, par exemple ici, le tireur 1, ici le tireur 1, la probabilité pour qu'il atteigne le cactus est de 75%, ça veut dire de 0,75. D'accord? Ça veut dire quoi? Il a 75% de chance pour atteindre le cactus. Alors le tireur numéro 2, il a une probabilité de 10%, ça veut dire de 0,1 d'atteindre le cactus. Et le tireur numéro 3, il a une probabilité de 0,5 d'atteindre le cactus.
En d'autres termes, quel est le meilleur tireur ici parmi ces trois-là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Le tireur numéro 1. Oui, exactement. Alors, le tireur numéro 1, c'est le meilleur tireur parce qu'il a assez de probabilités pour atteindre le cactus. Donc, c'est bon? Donc, si vous voulez, je vais changer parce qu'il y a un peu de bruit chez moi. Donc, je me mets quelque part. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais revenir à ma probabilité que je veux calculer. D'accord? Alors, cette probabilité, c'est que je note ici par P. Alors, pour calculer cette probabilité, j'ai défini les événements élémentaires, bien les événements, ici, pas des événements élémentaires, A1. D'accord? A1, c'est le cas où le tireur 1 atteint. Ça veut dire A1, c'est exactement cet ensemble d'événements élémentaires où on a le T1 atteint. C'est égal à les possibilités. C'est-à-dire soit qu'il atteint tout seul, soit qu'il atteint avec le tireur numéro 2, soit il atteint avec le tireur numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors ici, ça veut dire la probabilité de cet événement d'après l'énoncé de cet exercice-là est égale à 0,75. Alors, la même chose, événement A2. A2, c'est un événement qui, ça veut dire, c'est l'événement A2, c'est l'événement où le tireur A2, le deuxième tireur atteint. C'est-à-dire, il peut contenir les événements élémentaires. J'espère que je n'ai pas fait... Oui, c'est correct. D'accord. Probabilité de A2 est égale à 0,1. Alors A3, d'accord, c'est l'événement où le tireur numéro 3 atteint le cactus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut moi? Moi, il me faut la probabilité pour que les trois tireurs touchent le cactus. Alors les trois tireurs touchent le cactus, il est ici. De l'événement élémentaire. D'accord? Je cherche la probabilité de ça. Alors, les trois tireurs, ça représente effectivement l'intersection des trois événements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que les trois tireurs atteignent le cactus, il faut que le tireur 1 atteigne le cactus, ça veut dire que je suis dans l'événement 1 réalisé, et il faut que le tireur numéro 2 atteigne le cactus, et le tireur numéro 3 atteint le cactus. Comme ça, j'aurai l'intersection. Il y a une chose qui est très importante aussi que je veux préciser ici, que c'est des événements A1, A2, A3, c'est des événements indépendants. Pourquoi c'est indépendant? Parce que quand le tireur 1 tire, le deuxième tireur, il ne dépend pas du premier tireur. Ça veut dire le tirage via le deuxième tireur, il est tout à fait indépendant du premier tirage. Du premier tireur. Et le troisième tireur, son tirage, il est indépendant du troisième, du premier et du deuxième. Donc, en d'autres termes, ça, c'est la probabilité de l'intersection de A1, A2, A3, et ça me donne ce produit. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur au niveau des calculs de l'application numérique. C'est bon? Je passe. Est-ce que tout le monde est... Tout est compris? Oui. C'est bon. Maintenant, je passe à, je change maintenant de secteur. Alors, dans un magasin, il y a un client, d'accord? On s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel de téléviseur et d'un récepteur. Acheter un récepteur numérique, c'est le parabole. C'est le récepteur que vous avez là. J'espère que... Ah ben ouais, le récepteur.
هذا هو لو تيليفيزور بيان سور d'accord alors il y a un récepteur il y a un téléviseur le magasin qui vend les téléviseurs et ils vendent aussi des récepteurs numériques des récepteurs numériques d'accord alors il y a un client qui arrive il arrive dans le magasin ici la probabilité pour qu'il achète un téléviseur c'est de 0,6 d'accord et la probabilité pour qu'il achète un récepteur quand il a acheté un téléviseur ça veut dire quand il a déjà acheté un téléviseur la probabilité pour qu'il achète un récepteur est de 0,1. Attention, c'est une lecture particulière parce que ça, c'est une conditionnelle. C'est-à-dire la probabilité d'acheter un récepteur sachant qu'il a déjà acheté un téléviseur est de 0,9. C'est une probabilité conditionnelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléviseur et un récepteur, ça veut dire ici il y a le terme et, ça veut dire ici on est dans l'intersection. Et là je veux bien que vous lisez correctement l'énoncé de cet exercice-là, parce que l'intérêt et l'importance de cet exercice-là, c'est de faire la différence entre le et le conditionnel, c'est-à-dire l'intersection et le conditionnel. Alors regardez. Mon univers, il est trop simple. Soit que le client n'achète rien, soit que le client, il achète un téléviseur, soit que les clients, il n'achète pas de récepteur, soit qu'il achète un récepteur, il n'achète pas de téléviseur, soit qu'il achète les deux. Donc, les possibilités, les kénis. D'accord? Alors, c'est la probabilité d'acheter un téléviseur et un récepteur. Donc nous, on s'intéresse à cette probabilité de cet événement élémentaire. Ah ouais, l'objectif d'IEL. C'est l'événement qui nous intéresse. Mais nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît cette probabilité d'acheter un téléviseur. On la connaît. C'est égal à 0,1. Ah non, la probabilité d'acheter un téléviseur, non. Elle dit, mais c'est juste un téléviseur. Alors, je m'excuse, je vais supprimer cette... voilà. Là, voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors, la probabilité de 0,6, c'est tout cet ensemble-là. Voilà. Voilà. Que je mets en carré. Aux idées. Parce que là, acheter un téléviseur, la probabilité d'acheter un téléviseur, c'est ça et ça. Parce que ça peut être acheter un téléviseur tout seul ou bien acheter un téléviseur avec un récepteur. Ah, voilà. Alors, regardez ce que je vais faire. Alors, A, c'est l'événement acheter un téléviseur. Et B, acheter un récepteur. Ça, c'est acheter un téléviseur. B acheter un récepteur. Donc, les deux événements. Ça veut dire ici, téléviseur, acheter un téléviseur. Ici, acheter un récepteur. Récepteur. C'est très bien. Alors maintenant, P de A, 0,6. D'accord? Mais, la probabilité d'acheter un récepteur, sachant que tu as acheté un téléviseur, est égale à 0,9. C'est l'hypothèse ici. La probabilité d'acheter un récepteur, sachant que tu as déjà acheté un téléviseur, est égale à 0,9. Or, je sais que P que je cherche, c'est l'intersection entre ces deux-là.
c'est la probabilité de A inter B. C'est-à-dire la probabilité d'acheter un téléviseur et un récepteur, c'est exactement ça. Et je sais très bien que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B sachant A multiplié par la probabilité de A. Et ça vous donne ce résultat-là qui est égal à 0,9 multiplié qui est égal à 0,5. C'est compris? D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Alors maintenant, je passe à un autre exercice. Oh là là. Alors, voilà. Un exercice 5. D'accord? Alors, dans l'exercice 5, on a une usine, deux machines A1 et A2. À de la machine A1 et A2, ils produisent quoi? À de la machine A1, une autre machine A2. A2, ils produisent quoi? Ils produisent des boulons. D'accord? Ils produisent des boulons. D'accord? Alors, A1, les produits d'IL A1, la probabilité pour que le boulon soit défectueux, ça veut dire qu'il ne soit pas correct, est de 0,2%. 2%, ça veut dire 0,02. Ça veut dire là, 0,02, c'est la probabilité pour que le boulon ne soit pas correct. D'accord? Par contre, pour la machine A2, cette probabilité, il devient de 0,05%. Alors, à votre avis, quelle est la meilleure machine? Est-ce que c'est A2 ou bien A1? C'est très bien. Parce que la probabilité des pièces défectueuses, il est plus faible que celle de A2. Alors maintenant, A1, c'est quoi? A1, la troisième hypothèse, c'est que A1, il représente 65% de la production totale. Déjà pas mal. D'accord? Alors maintenant, on a la production, on choisit au hasard un boulon. C'est-à-dire, tu choisis un boulon parmi la production. Tu choisis un boulon, par exemple. C'est très bien. Alors, ce boulon-là peut être défectueux. D'accord? Ce boulon-là peut être défectueux ou correct. D'accord? Ou non défectueux. Ou il peut venir de la machine A1, d'accord, ou bien la machine A2. Donc, les possibilités, Léna. Et quand je vous ai fait ça, ça veut dire qu'on a une couche de défectueux, non défectueux, on a une couche de machine A2. Alors, regardez, quand je dis un boulon, j'ai illustré ça avec un arbre. 65% Radim Shield A1 et 35% il provient de A2. C'est-à-dire, quand l'indicateur de un boulon comme ça, vous allez me dire, monsieur, à 65% il provient de la machine A1. Parce qu'il est dans la production et la production A1, il représente 65% de la production. Mais dans A1, 0,02 défectueux et 0,98 non défectueux. Ça veut dire qu'ici, c'est défectueux A1.
1, d'accord, et ainsi de suite. Ici, non défectueux, à 1, et ainsi de suite. Alors, le oméga, c'est très simple. A1 défectueux, A1 non défectueux, A2 défectueux, A2 non défectueux. Alors, ici, cette probabilité-là, qui est dans les hypothèses, c'est la probabilité à ce que la pièce soit défectueuse, sachant qu'elle est venue de A1. D'accord? Ça veut dire, quand cette probabilité soit défectueuse, c'est égal à 2, c'est une probabilité conditionnelle. Et c'est quoi A1 ici? Si vous pouvez, je vais revenir là-dessus. Alors, une fois j'ai ici 0,02, donc 0,98, c'est la probabilité pour que le boulon soit non défectueux, c'est une complémentarité parce que la somme doit être égale à 1 ici. La même chose ici, j'ai 0,5, c'est une probabilité conditionnelle. Donc plus, qu'est-ce qu'il me reste pour compléter 1, c'est 0,95. D'accord? Alors, maintenant, j'ai fait ma lecture. J'ai fait ma lecture de P défectueux sachant A1. D'accord? A1. J'ai oublié parce que là, je dois préciser A1. A1, ça veut dire qu'il provient de la machine M1 ou de la machine A1. Alors ici, A1, ouais, l'ensemble là. Juste pour vous dire parce que je l'ai expliqué, je l'ai mal expliqué ici. A1, ouais, l'ensemble. Faut pas confondre avec le A1. La machine, vous pouvez mettre ici A si vous voulez, juste probabilité de A1 ici le coulomb tani et là A2. D'accord, alors la probabilité de défectueux sachant A1, ça veut dire H1 est défectueux. Défectueux, je suis désolé parce que j'ai fait une erreur ici. Parce que le défectueux, pas une erreur, mais j'ai mal expliqué les choses. Défectueux voit l'événement qui contient D. Alors défectueux, ça veut dire c'est A1D et A2D. D'accord? Non défectueux, c'est le contraire. Alors, la probabilité de défectueux sachant A1, c'est 0,2. Probabilité de défectueux sachant A2 est 0,5. C'est les énoncés. Alors, bien sûr, la probabilité de non défectueux, c'est ça. Donc, on a conclu ça. Alors, A1 union A2, c'est oméga. A union A2, c'est oméga. C'est normal parce que ici, A1, d'accord, union A2 est égal à. Et l'intersection est égale à le vide. C'est-à-dire que A1 et A2 sont disjoints. C'est-à-dire qu'ils sont disjoints. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation. La réunion est égale et l'intersection est égale à le vide. Alors, c'est quoi la probabilité de non défectueux? ND, c'est quoi? C'est non défectueux. La probabilité de non défectueux, c'est quoi? C'est la probabilité de non défectueux sachant A1 multiplié par P de A1. C'est la, ça, j'utilise la formule de Bayes, ou bien c'est une formule produit que j'ai énoncée dans mon cours. Si vous voulez que le MNAO produit la probabilité de A, d'un événement A, d'accord, est égal, d'accord, est égal à la probabilité de A. Ici, je rappelle très bien, de A sachant B, B, multiplié par P de B,
Ça, c'est une formule. D'accord. Plus la probabilité de A, sachant, je le cours d'IL comme pour la comprendre, P complémentaire, P bar, je mettrai B bar, complémentaire, multiplié par la probabilité de B bar. Ça veut dire que le A peut provenir de cette partie-là, ou bien de B bar, ou bien de cette partie-là de B. Ça, c'est la philosophie de ça. Donc, si, ça veut dire que le nom défectueux peut provenir de deux manières, soit de venir par de ça, d'accord, soit de venir par là. Nom défectueux. Il a voulu, moi, si vous voulez bien comprendre, le nom défectueux finkin est là. Alors, je vais effacer un peu ça. Nom défectueux. Voilà. Je vais revenir sur mon diagramme. D'accord. Alors, le nom défectueux, il peut provenir d'où? Il est là. D'accord. Et il est là. Soit c'est ça, c'est cette probabilité multipliée par cette probabilité, multipliée par cette probabilité, plus ça multiplié par cette probabilité. Ça veut dire que vous avez soit ce chemin, d'accord, ou bien ce chemin. Et c'est exactement cette formule-là dont je vous ai parlé. J'ai énoncé au début. D'accord. Et c'est la probabilité d'un nom défectueux. Donc, ça, c'est un exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure, s'il vous plaît? Il est 11h16. 11h16. Parfait. Alors, maintenant, je passe. Est-ce que vous avez compris un peu de quoi il s'agit maintenant? Parce que je pense que c'est le premier exercice où on rencontre la probabilité conditionnelle. Je peux avancer, les enfants? J'avance. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Parfait. Alors, j'avance. Je vous recommande les slides. Vous avez aimé les slides? Est-ce que vous pensez avec les slides, les étudiants peuvent comprendre un peu la solution de l'exercice facilement? Dites-moi les enfants. Qu'est-ce que vous proposez pour que j'améliore les slides avant de les mettre sur modèle? Oui, monsieur, sont plus clairs. Ah, bon, parfait. On laisse. Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 6. D'accord? À l'oral d'un concours, il y a que dans un oral, un candidat doit tirer au hasard une question dans un sabot de 50 questions. Ça veut dire que vous êtes rentré pour un oral, d'accord? Et vous avez واحد l'urne, on fait 50 questions. Les 50 questions, ils sont répartis entre trois matières. Mathématiques, chimie physique et chimie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20 questions de maths et 20 questions de physique et des questions de chimie. Donc ici, 20 questions de maths, ça représente de 50, ça représente 40%. 40%. D'accord. Et ici, physique,
20 questions, donc ça représente 40%. 40%. Très, très bien. Et chimie, 10, ça représente 20%. 20%. C'est très bien. Alors, pour illustrer ça, alors, un candidat se présente à l'oral. J'avais 12. Il veut passer son examen. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a ce résultat-là. Il dit que on a 5 sur 6, la probabilité de 5 sur 6 pour qu'il puisse répondre à une question de maths. Il dit quoi? Ça veut dire, avec sa préparation, il me dit, monsieur, moi j'ai bien préparé les maths. Si vous me posez, j'ai une probabilité de 5 sur 6 pour réussir à répondre correctement. D'accord? Ça veut dire que la probabilité, là, j'ai un petit problème avec mon curseur que je n'arrive pas à localiser. Alors ici, je peux dire que je suis content parce que c'est une bonne probabilité qu'un étudiant qui ça, c'est bien. Alors 1 sur 3 pour répondre à une question de physique. Là, ça sert. Ici, 1 sur 3, c'est moins que 1 sur 3, c'est 0,33. Donc là, vraiment, je suis limite, limite. Et pour la chimie, il me dit, moi, je vais faire l'impasse. Ça veut dire quoi l'impasse? Ça veut dire s'il trouve une réponse de une question de chimie, et il ne va pas répondre à cette question parce qu'il n'y pas préparé pour la chimie. Donc, il dit, on est dans un cas grave. Grave. Ça veut dire en d'autres termes quoi? Ça veut dire que la probabilité pour répondre à une question de chimie est de 0%. 0,0. Ici, la probabilité pour répondre correctement à une question de physique, je pense, c'est 0,33. D'accord? Donc, en d'autres termes, j'ai représenté tout ça dans un diagramme. Un candidat, probabilité de maths, qui tombe sur une question de maths, c'est 0,4. Probabilité pour qu'il tombe là. Probabilité pour qu'il puisse tomber sur une question de chimie, c'est 20%. C'est-à-dire, ici, ce qui m'inquiète pour cet étudiant-là, c'est le 20%. C'est-à-dire, il a 20% de chance, plutôt de malchance, de tomber sur une question auquel il ne peut pas répondre. D'accord? Regardez, quand il tombe ici, automatiquement, il est orienté vers le non. C'est-à-dire, il n'a pas de probabilité pour passer pour le OK ici. Mais pas question. Ici, interdit. Ce qui est la probabilité pour passer pour le OK, c'est rien. Alors, il est donc sur les maths, il a une probabilité de 5 sur 6 pour passer correctement l'examen, pour répondre correctement, donner une bonne réponse. Et un sixième, c'est le complément, parce que la somme doit être égale à 1, pour qu'il ne réponde pas. La même chose ici, la probabilité en physique, la probabilité pour qu'il passe correctement son examen, ça veut dire répond comment, 1 sur 3, et bien sûr 2 sur 3, ça veut dire qu'en physique, il est mal placé même en physique, parce qu'il a une probabilité de 2 sur 3, d'accord, pour qu'il ne réponde pas correctement à son examen en physique. Très bien. Alors, quels sont les événements qu'on pourra avoir? Alors, soit quand on a ici un mat, OK, et ça veut dire un mat réussi, un mat non, ça veut dire non réussi, non. D'accord? Ou là, un physique, OK,
D'accord. Ou bien un physique. Physique, non. Ça ne répond pas correctement. D'accord. Ou bien un chimie, non. Ok. Ou bien un chimie, non. Alors, d'après les résultats là, la probabilité pour OK, sachant non, sachant maths, c'est 5 sur 6. Pour répondre correctement, sachant que maths, 5 sur 6. Probabilité OK, sachant P, c'est 1 sur 3. Probabilité de OK, sachant C, c'est 5, 0. De même, je peux déduire. Alors, je sais que maths, union P union C est égal oméga, c'est-à-dire que mat homado, hein, et P c'est ça, et C homado de l'équipe. L'intersection est égale à le vide parce que c'est complémentaire, parce que ici mat, vous pouvez voir ici en question, en M, P homado. Et c'est ça. En moins les événements élémentaires. Ça c'est M. Ici c'est P. Ici c'est C. Alors, c'est la même formule de tout à l'heure. Seulement que la première cette formule de l'exercice précédent, il prend en considération seulement deux cas. Il a rappelé. B, B complémentaire. Ici, pour obtenir un non, je vais effacer ça pour qu'on soit clair. Supprimer tout ça. Alors, quelle est la probabilité, la question, pour que ce candidat réponde correctement à la question? Mais ça veut dire que pour répondre à la question, que je suis soit ici, soit ici, soit ici. On a les possibilités que je peux avoir. Ça veut dire que soit que je suis ce chemin-là, d'accord, soit que je suis ce chemin-là, d'accord, soit que je suis ce chemin-là, malheureusement, qui est fermé. D'accord. Alors, moi, les trois chemins. Ça veut dire que ça peut être la probabilité de OK, sachant maths, multiplié par la probabilité de maths, c'est ça. Le premier chemin, d'accord. Le deuxième chemin, probabilité de OK, sachant P multiplié par P de P, ou bien la probabilité de OK, sachant C multiplié par P de C, qui est égal à 0 malheureusement, parce qu'il n'a pas de chance, est un sadant 0. C'est très simple et c'est trop facile. Monsieur, c'est 5 sur 6, c'est pas 1 sur 6. C'est 1, c'est 5 sur 6 fois 0,4. Oui, mademoiselle Lardelli, qui est, Walakin. Attendez, oui. Attendez. Atish Dertena, oui, vous avez raison. C'est 5 sur 6, oui. Mais ici, il ne faut pas... non, attendez. Oui, oui, probabilité de OK, je dois mettre ici OK. 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 Belle mère. Ici, 5 sur 6, oui. 5 sur 6. Est-ce que quelqu'un peut calculer, peut me donner le résultat de l'Ardalicum? Cinq sur 6, oui, ouais, 0,2, c'est sûr. Non? 5? 0,46. 0,46. Ma mademoiselle. 0,46. Donc c'est 0,46. C'est très bien. 46.
D'accord, c'est bon? Il y a quel Alors, je vais pas tarder. Radine, je pense que l'exercice, j'ai sauté un exercice. Je vais essayer de faire avec vous le dernier et je laisse les deux exercices. Radine, je fais les vidéos, je partagerai avec vous la solution. D'accord? Alors, je passe au coronavirus. Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, très monsieur. Bien. Alors, lors d'une épidémie, d'accord, on estime que la probabilité de la contamination est de 1 sur 1000. D'accord? 1 sur 1000. Ça veut dire c'est la probabilité de contamination. D'accord? Ça veut dire il y a 1000 personnes, on a une personne parmi 1000 et les contaminés. D'accord? Il y a la proportion. Alors, pour contrer l'épidémie, on a développé un test. D'accord? Pour repérer si un individu est contaminé ou non. Le test. Alors, le test, c'est un outil laboratoire. Lesquels, par exemple, pour le coronavirus, c'est des kits qu'on met dans les narines des gens et on capte un peu ce qu'il y a dans ce qu'il y a à l'intérieur des narines des personnes et puis on ramène ça au laboratoire et on essaie de faire un traitement pour chercher, dépister le virus, le coronavirus. Alors, on a un test. Mais le problème qui se pose pour les tests cool home, c'est quoi? Ça veut dire que c'est possible d'avoir un test positif. Ça veut dire que l'objectif, c'est quoi du test? Ça veut dire que si la personne, elle est contaminée, alors le test doit nous donner positif. Et si normalement, le test, je vais écrire ici, le test, c'est quoi l'objectif Diallo? Le test, c'est quoi? Ça veut dire, il est qu'une si tu es contaminé, il doit nous générer positif. D'accord? Et si tu es non contaminé, ça doit nous générer négatif. C'est ça. Mais le malheur, c'est que un test peut faire des erreurs. Ça veut dire, on peut avoir une personne contaminée. Et malheureusement, il nous génère négatif. Ça veut dire, il est contaminé, mais le test n'arrive pas à le détecter. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le faux négatif. Ça veut dire, on voit négatif, mais c'est faux. Ça veut dire que la personne, elle est contaminée. Et les non contaminés, on peut, normalement, il va nous donner moins. Mais il y a des cas, des probabilités pour qu'ils nous génèrent un plus pour des personnes. C'est ce qu'on appelle le faux positif. D'accord? Donc, en d'autres termes. Vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, ici, si je regarde la répartition, un patient 1 sur 1000, il peut être contaminé, d'accord, on est là, ou bien 999 sur 1000 pour qu'il soit non contaminé. Mais quand j'applique le test, c'est ici que j'applique le test. Alors, quand j'applique le test sur les contaminés, d'après ce qu'il a dit là, 99% sont positifs, ça veut dire que à 99%, le test il est correct. Il détecte les positifs. Alors, si le patient est effectivement atteint, ça se voit ici, si le patient est effectivement atteint, on peut le détecter à 99%.
Il se peut aussi que le résultat de test il se peut que le résultat du test soit alors positif alors que la personne elle n'est pas contaminée. Ça veut dire que 2% à IA, et je dois mettre en noir ici, 2%, ça veut dire que non contaminé. Ça veut dire que c'est faux ça. Ça c'est faux. Normalement, ça ne doit pas se faire. Voilà, Kim, c'est la réalité. C'est des tests qui peuvent faire des erreurs. Alors maintenant, c'est l'organigramme qui me décrit toute la situation. Alors ici, l'univers, mon univers, c'est quoi? Soit des vrais positifs, d'accord? Soit contaminé positif, d'accord, contaminé négatif, contaminé, ou bien non contaminé, non contaminé, non contaminé positif. Non contaminé négatif. C'est aussi une écrite. Il y a des gens qui ne veulent pas mettre PPN. Donc, ils vont mettre à la place de P, ils vont mettre, je ne sais pas, ils peuvent mettre plus, par exemple. Plus, moins, plus, moins. Ça veut dire que l'écriture du oméga, chacun il peut l'imaginer comme il veut, ça pose pas de problème. Alors c'est quoi P positif? P c'est soit vrai positif ou bien faux positif. Ça veut dire que ici positif, le positif, ça veut dire soit que c'est un vrai positif ou bien c'est un faux positif. Ça c'est le résultat du test. Vrai, V, ça veut dire que le vrai, ça veut dire que soit qu'il est vrai positif ou bien vrai négatif. Contaminé, soit il est vrai positif ou il est bien faux négatif. Le N, négatif, ça veut dire soit qu'il est faux négatif ou bien vrai négatif. Parce que c'est négatif. Faux, F, c'est faux négatif, faux positif. NC, non contaminé, c'est etc. Donc là, vous avez une série d'événements. Alors, ce que je veux dire là, c'est quoi ce 99%? C'est la probabilité pour qu'il soit positif, sachant qu'il est contaminé. Ça veut dire que je suis là, les enfants. Regardez. Ça veut dire que c'est la probabilité pour qu'il soit positif, sachant qu'il est contaminé. Alors, c'est quoi le 2% que j'ai dans l'énoncé? Exactement ça. C'est la probabilité pour qu'il soit positif, sachant qu'il est non contaminé. Vous avez compris? Donc, la probabilité du moment que j'ai ça, donc ça doit être la somme égale à 1. Donc la probabilité de négatif, sachant qu'elle est contaminée de 1%, et la probabilité de ça, c'est ça. Et c'est bien. Donc maintenant, je vais utiliser la formule. Qu'est-ce qu'il me demande, lui? Il me dit, quelle est la probabilité qu'un individu soit contaminé, sachant qu'il est test positif? Ça veut dire, je veux la probabilité pour qu'il soit contaminé, d'accord, sachant qu'il est
positif. L'artos, c'est l'inverse, les camarades. On connaît la probabilité de positif, sachant qu'il est contaminé, qui est 99%. Donc, je vous ai fait au cours que pour faire la permutation, ici, c'est ce que je cherche, d'après ce que la relation de Bayes, ça me permet de dire que la probabilité de C sachant P est égale à la probabilité de P sachant C multiplié par P de C divisé par la probabilité des positifs. Alors, ça, je l'ai. 99%. Probabilité de contaminer, je la connais. D'accord? Mais ce qui m'échappe, c'est la probabilité de positif dans ma population. C'est ça. Alors, cette probabilité de positif, alors la positive, il peut venir de deux manières. Ça marche à soit de venir par là, dans le chemin Lowell, soit de venir par là. Comment le deuxième chemin? Ça veut dire quoi? Que la probabilité de P, ça peut être que la probabilité de P, sachant C, multiplié par la probabilité C, ou bien plus la probabilité de P sachant NC, multiplié par, oh là là, multiplié par la probabilité alors non attention là mais c'est pas zéro là, c'est pas zéro je vous laisse les calculs. J'étais en train de préparer les slides, j'étais fatigué, je ne pouvais pas faire les calculs. Donc, j'ai laissé 1-0 là-bas, par erreur. Donc, ça y est. Donc, vous n'avez qu'à remplacer ça par les valeurs. Vous connaissez ça. Alors, par exemple, la probabilité de P sachant probabilité de P sachant C, c'est ça. Par exemple, c'est 0,99. D'accord. Alors, probabilité de C, c'est 0,001. D'accord. Alors, la probabilité de P, sachant NC, NC, probabilité de P, sachant NC, c'est 2,2%, c'est 0,02. La probabilité de non-contamination, c'est 0,9%. Et ainsi de suite. Et vous n'avez quelle est la probabilité, quelle est la proportion des bons résultats fournis? Alors les bons résultats fournis, c'est où? Je reviens à mon diagramme. La probabilité de vrai, ça veut dire c'est vrai, ça veut dire ici. C'est ce chemin-là. Ou bien ce chemin-là. Non. Vrai. Ou bien ce chemin-là. Ça veut dire vrai. C'est vrai. Ça veut dire que je vais essayer. Je vais effacer ça. Comme ça, je ferai supprimer. Là. Et là. Exactement ça. Ça veut dire que le vrai peut être soit ça, par ce chemin,
peut pas. Et on veut du calcul, ça, je vous laisse le soin de faire les calculs, c'est des applications numériques. Alors, chers étudiants, je m'arrête à ce niveau-là, je pense que c'est un peu correct comme ça. Alors, le TD prochain, la séance prochaine, je vais vous faire les variables aléatoires discrètes, d'accord ?